Donc il est 4h30, je viens de coudre ce petit doudou avec un tweak à l'intérieur qu'il faut que je prenne en photo et que je mette sur Etsy. Voilà. Donc il faut que j'en fasse d'autres. Je vais finir ma bouche parce que je suis en train de manger du chocolat et ça ne me fait pas du tout. Et on va pas tarder à ouvrir les calendriers. Mais c'est ça. Donc mon chéri a contacté l'ancien propriétaire de ma voiture actuelle. Disant est-ce qu'il peut me rappeler et tout. Et le mec franchement adorable et tout, réactif, mon chéri lui dit il y a un problème avec l'envoyage, il fait je commande les pièces tout de suite et tout, il fait ah calme toi, il fait faut faire une purge, il dit une purge, et il fait la voiture que nous avons vendue c'était cambriage hydraulique, lui il a fait c'était qu'un acheteur revendeur en fait. Et il fait ok, bon, bah, apparemment ils vont s'en occuper ce week-end, donc on va voir déjà en faisant une purge du circuit hydraulique parce qu'il n'a certainement jamais été fait. Est-ce que ça va donner, on lui dit non mais dépense pas de sous comme ça, parce qu'il était prêt à payer les pièces et tout, il était prêt à tout commander et tout, il fait non mais... On va faire dépenser de l'argent à personne inutilement. Si un jour il faut le faire, on le fera, mais on y va progressivement et on va faire les frais qu'il faut. Donc on va voir d'abord pour la purge du circuit et puis après on verra autre chose. Mais en tout cas ça va être fait. Je sais pas, mon chien m'a pas dit s'il avait reçu les barillets pour les portes. Parce que pareil, la porte conducteur à la clé elle ne s'ouvre pas du tout, donc il faut qu'on ouvre le coffre, qu'on passe par l'intérieur, que mon chien passe par l'intérieur, ouvre la porte passager arrière. Non, conducteur arrière, enfin oui, passager arrière gauche, pour ensuite passer sa main sur le conducteur avant. Enfin, forcément, conducteur et passe conducteur. Et pour ouvrir ensuite la porte. C'est assez chiant, tu comprends pourquoi je continue à aller au boulot en vélo. D'ailleurs, oui, je continue à aller au boulot en vélo à l'heure actuelle et je compte le faire aussi pour le matin pour pas avoir les bouchons. Et ce matin, d'ailleurs, j'ai été à deux doigts de ne pas aller travailler parce que je me suis levée, il y avait un déluge dehors, j'ai fait. Je vais pas aller me détromper pour une matinée. Et jusqu'à la... je me suis levée à la bourre. Arrivé 10 minutes avant d'arriver au boulot, j'ai largement le temps d'aller au boulot en 10 minutes. Enfin, largement, je suis pile poil. Je vois au loin que le ciel se dégage, je vois qu'il arrête de pleuvoir. Je me couvre quand même en conséquence parce que ça peut vite revenir. Et finalement, j'ai bien fait d'y aller parce qu'il n'a pas plu sur l'aller et ni sur le retour. Donc voilà. Mais pour l'instant donc je n'utilise pas Titine, donc on va faire les réparations et puis on va voir au fur et à mesure, ça va le faire, il n'y a pas de souci, je vais la garder sa petite voiture. Juste à de pouvoir la conduire facilement et correctement. Bref, donc là je m'occupais d'autre chose, je continue de me refaire tous les vlogs d'ici là que j'ai en retard. En fait je fais ça, je me fais des rushs, en fait il y a des gens en fait qui me regardent une vidéo de chaque en alternatif en fonction de la chronologie, en fait je me bouffe toutes les vidéos des gens jusqu'à ce que je sois à jour sur leur chaîne, donc là la dernière fois c'était j'ai regardé toutes les vidéos d'Hugo Décrypte parce que j'avais beaucoup de retard et puis là je regarde toutes celles de Nicila, voilà je reprends mes enveloppes budget mais je vais les reprendre à fond dès l'année prochaine parce que j'ai pas de budget net, on verra si j'ai pas trop de dépenses sur la voiture, je compte mettre la prime de Noël à l'intérieur, donc les deux sont vides. Donc là j'en ai un qui est plus ciblé maison et j'en ai racheté un deuxième pour le cibler plus animaux parce que ça rentrait plutôt dedans, donc comme ça ce sera plus simple. Je vais voir, je pense que je vais retirer de mon stock de la boutique Etsy toutes mes enveloppes parce que j'ai envie de les garder pour moi, je vais remplacer toutes mes enveloppes que j'avais achetées sur AliExpress par des enveloppes que j'ai fait moi-même en carton, comme ça, sur le motif marbre pour le mettre à l'intérieur. Donc voilà, avec tous mes petits trucs à l'intérieur, donc il n'y a plus d'argent dedans. Donc, normalement, je mets mon argent pour le veto, pour le bar, pour le passage à Doggy Dog, parce que Doggy Dog c'est en gros les pâtés de Kitty et le toilettage. Et mon projet canin qui pour l'instant, bah, j'avais bien avancé, hein. Mais j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout, donc il faut que je recommence tout ça, recommencera le défi des 900 euros l'année prochaine. Comme ça, bah, je vais faire un beau calendrier pour pouvoir en faire une vidéo pour vous parler de comment gérer votre budget canin mensuel. Et bien mon projet canin pour l'instant est tombé à l'eau parce que c'est quelque chose qui va à mon avis être beaucoup reporté pour le moment. C'est pas demain la veille que j'aurai un nouveau chien. Parce qu'il y a d'autres priorités à l'heure actuelle. Donc je dois rajouter des enveloppes ici. Je dois modifier les enveloppes là. Il faut que je m'en occupe. Je sais pas si je fais ça tout de suite ou pas. Ce serait pas mal au lieu de procrastiner. Ouais, je m'en occupe. Voilà, depuis le temps que je me tâte, je l'ai fait. Donc j'ai retiré de la vente Etsy mes enveloppes motif marbre. Parce qu'en fait j'hésitais depuis longtemps à les garder. Donc je les garderai pour moi. Et mais il y a la version qui existe en plus petite et sans les trous. Si jamais ça vous intéresse quand même, et j'ai les intercalaires aussi. Donc voilà, je vais m'attaquer à faire mes petits budgets. Faut que je regarde où est-ce que j'ai mis la liste. J'avais fait une liste de tout ce qui serait intéressant à mettre comme enveloppe quand on a une famille de chiens à gérer. Donc ça y est, j'ai mis toutes mes enveloppes. Donc on a
alimentation. Une réduction qu'il faut absolument que j'utilise. Ah. Les compléments alimentaires. Donc je vous expliquerai comment je mets chaque mois un peu d'argent. Je vais le mettre tous les mois dans les enveloppes. Les friandises. Tout ce qui est budget pour shopping, box et salon. Le veto, le plus important. Celui-là avec une main. Ça, hop. Le toilettage. Les accessoires. Alors, accessoires, ça c'est tout ce que je mets, accessoires de remplacement ou achat d'accessoires divers et variés. Et mon projet canin avec le défi des 900 euros par an. Voilà. Donc, je vais voir si j'ai un joli sticker à mettre dessus. Oui, pas sur sticker, je peux pas m'en empêcher de les mettre partout. Donc voilà, petite sélection des stickers. J'ai regardé tout mon tas de ce que j'hésite à utiliser. Ça c'est marrant parce que c'est le côté lapin, je fais des petits et en fait c'est comme l'argent qui se reproduit. On va faire un cliché comme ça. Celui-là c'est juste parce qu'il est trop beau. Lui il est stylé. Et lui il est joli aussi. Pour en noter, c'est mon artiste préféré qui dessine des carrés. Je sais pas. Non. C'est sûr que ces deux-là ils font déjà plus adultes et plus professionnels quoi. Le petit pimpin. Celui-là il fait plus mec, moi je suis une fille. En même temps, sur le classeur ça veut rien dire. Ah, je sais pas, je suis toujours indécise. Je vais pas mettre les trois à un moment donné, ça suffit. Ah, attendez. Ah, c'est joli aussi. Hein. Celui-là, on n'a rien à voir avec le chemin public. Celui-là, il est sympa, mais c'est enfantin. Bon, allez, on va mettre celui-ci. Ils vont que sur Internet quand ils la voient en réseau, mais qu'est-ce qu'elle est encore fait une petite vente sur Etsy, ça fait trop plaisir. Donc je regarde ma vidéo de Marie, je finis et je la prépare juste après. Donc il est 18h, je suis toujours une pub comme d'hab. J'étais en train de faire une espèce de, je sais pas comment ils appellent ça déjà, tu places tes formes pour faire une sorte de peinture dessin. Bref, c'est marrant parce que pour une fois c'est vu du dessus. Oui, donc ça tombe bien parce que là il y a Nissi Lush en train de finir son vlog et elle est en train de faire sa conclusion. J'ai fini de faire un deuxième doudou, donc j'ai un deuxième doudou à mettre en ligne sur le thème des chouettes. Je me suis normalement trouvé mon calendrier pour l'année prochaine. Je cherche à m'organiser différemment parce que ouais, j'ai des bullet journal, machin, truc, mais j'ai mon agenda, mon organisateur, mais il faut encore un truc supplémentaire, j'en peux plus de moi-même. Bref, on va essayer de faire ça pour un truc ultra visuel, pour l'organisation des vidéos. Parce que là, les chaînes, à la fin de l'année, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc je finis de regarder ma vidéo et puis après je vais préparer ma commande que je puisse la poster demain parce que généralement bah, en fait je la prépare le jour de la commande et je l'envoie le lendemain et ça et je vais pouvoir ouvrir les calendriers de l'avant aussi. Voilà, regardez ils sont tous squish. Alors oui je fais que des formes d'os, mais c'est celle que je sais faire le mieux. Et puis comme ça les chiens peuvent l'attraper bien en bouche et tout. Et puis voilà, moi je me dis autant faire dans la simplicité, parce que c'est ce que je sais faire. Donc on fait des petits os, et puis moi j'aime bien. On verra plus tard pour innover, mais pour l'instant j'ai fait d'autres essais et... Il y a des plis d'arrondis sur certaines formes que j'ai testées, j'aime pas du tout. Donc, puis j'ai pas de brodeuse et je sais pas broder des yeux ou des trucs comme ça, alors ça rend pas bien du tout. Donc, pour l'instant on fait les petits nonos. Écoutez, j'en ai quand même eu quelques-uns de commandés, c'est que ça plaît. Et il y a toujours un pouic inclus. Si jamais vous avez une demande particulière ou vous voulez que j'enlève le pouic au moment de la commande, vous pouvez me le demander parce qu'il y a des chiens qui deviennent fous et qui détruisent leurs jouets parce qu'il y a un pouic. Vous pouvez me demander, j'en enlève la couture, j'enlève le pouic, je refais la couture. Bon, par contre, le prix ne change pas. Voilà. Mais bon, pour tout vous dire, c'est pas le prix du pouic qui va changer grand chose parce que j'achète des lots de pouic et c'est pas ça qui fait le prix du jouet, quoi.
Voilà, ça coûte une misère. Honnêtement, le Pouic, c'est pas ça. Et je sais même pas en valeur ce que ça me coûte unitairement. D'ailleurs, si jamais vous cherchez des Pouic, c'est comme je vous confirme, hein, c'est... Le Pouic, c'est pas ça qui fait le prix. Les Pouic viennent tout simplement de AliExpress parce que vous avez besoin de mettre des prix de ouf. Si jamais vous avez des Pouic à remplacer dans vos propres doudous pour vos loulous, achetez ça. Genre, t'as 60 centimes pour 10 ou 20 Pouic, je sais plus. Donc voilà, donc ça ne changerait rien. Mais je peux vous l'enlever si ça vous arrange. Si vous préférez que c'est moi qui refasse la couture fermée, bah je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont des chats, je peux remplacer par des grelots. Dernièrement, on m'a demandé de remplacer par des grelots. Je peux faire, c'est possible. Ça, vous m'envoyez un message. Donc voilà pour la petite commande du jour, je vais vous filmer sa préparation, mais dans l'autre sens parce que j'ai espoir de republier sur TikTok à un moment donné. Ils sont déjà attaqués parce qu'ils pensent que je fume le calendrier. Donc j'emballe ça et puis après on s'occupe des calendriers. Donc ça y est, je suis en train de discuter avec le chéri et je vais pouvoir ouvrir mon calendrier de l'avant. D'ailleurs, les petites loupiottes là-haut, elles se sont allumées là. Mais par contre, là, j'ai presque plus de piles, donc vitement que je puisse avoir ma prime de Noël, il faut que j'aille chercher des piles chez Action. Hop, donc on va ouvrir. Bon, j'ai récupéré une petite loupe qui dépassait, donc je pense que c'est un goodies en plus, tout comme le petit sachet que j'avais déjà eu. Donc alors, le 10... J'ai beau faire ça, je me mets toujours pas dans l'ambiance de Noël. J'arrive pas à réaliser que bah, la semaine prochaine je suis en vacances. Oh, c'était sympa la semaine dernière, mais alors, enfin hier je veux dire. Mais alors là, oh, ils sont chiants à attraper en plus. Ouais, un autre caillou de chantier, comme dirait mon chéri. Bien, j'ai une promo chez Leroy Merlin et bientôt je vais monter ma maison. Parce que c'est moche. Bref, ouais, c'est bientôt les vacances, bientôt les fêtes de Noël et tout, je ne suis pas dans l'ambiance du tout. Faudrait déjà que je m'occupe de faire des shopping de Noël. Heureusement qu'il y a ce petit univers qui m'aide quand même un petit peu à me dire ça va arriver. Mais non. En tout cas, je suis contente aujourd'hui. J'ai pas fait de sieste, j'ai fabriqué deux jouets, j'ai préparé une commande, j'ai fait mes enveloppes budget. Tout est nickel, tout est bien, j'ai pas fait du tout de dodo. Donc là, après, je vais aller préparer à manger. Ce soir, je vais faire une petite soupe à l'oignon maison. Il nous reste du pain et tout. Alors le 10 là. Avec un petit peu de saucisson. Et on a un petit pingouin. Hop, voilà. Ensuite, le Cosma. Vraiment basique celui-là, mais franchement, je le recommande. Donc, au canard. Comme je le répète, pour les petits vieux, les petits chiens, les petits chiots, les chats, les animaux qui ont tendance à avoir des intolérances. Je le trouve bien sympa. Et ceux qui sont aussi en prise de poids, parce que vu le poids que ça fait, si vous avez un chien qui est en surpoids, c'est nickel, il est content, mais ça va pas lui créer quoi que ce soit. Donc dans le calendrier, il y a quand même 10 grammes de friandises. Voilà. Hein. Alors, le Lily's Kitchen, qui est tout aussi bien, mais... Finalement, quand on regarde les autres, il est un peu cher pour ce que c'est. Il est cool, mais donc on a encore la petite colombe qui apporte du gui. Mais ouais, il est un poil cher pour ce que c'est. Franchement, 15 euros quand tu regardes que pour un peu plus du double, j'ai le cani gourmand qui est encore plus naturel. Voilà, je pense que maintenant que je connais autre chose, je ne sais pas si je le reprendrai honnêtement les années prochaines, le Lily's Kitchen. Voilà, mais il est cool, hein, franchement, si vous aimez, il n'y a pas de souci. Mais moi, maintenant, pour avoir vu autre chose, je préférerais autre chose. Et le calendrier de l'Avent chez Action que Boubou est toujours en train de tester tous les jours, est toujours testé et approuvé, il n'y a pas de problème. Il le dit, gère bien, c'est ses friandises préférées, le chéri en est content. On met ça dans des distributeurs de friandises et tout, top. Hop, le cani gourmand. Il paraît déjà très vite, celui-là. Il y a beaucoup de gros paquets qui sont partis, donc ça fait bizarre. Mais
Il était tout en dessous. Ce week-end, faut que je tourne les vidéos sur les conseils des idées cadeaux parce que là, on se rapproche vraiment du terme et j'ai toujours pas fait ma vidéo. Donc, ça va être compliqué si je la tourne pas là pour la publier rapidement. Mais voilà. Donc, enfin, faut dire que je suis pas très inspirée non plus cette année. Acheter sur ma boutique et sur Frenchie, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Ouais, c'est totalement intéressé, mais en même temps, j'aurais tort de ne pas le faire. Donc, numéro 10. Je crois toujours que c'est plein de curcuma, mais non, c'est le côté doré qui est à l'intérieur. Oh, on a des gros morceaux, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est sûr que Kitty, par exemple, pourrait pas le manger, ça. Alors, le 10. Ah, c'est de la queue de bœuf. Je ne l'imaginais pas sous ce format-là. Hop, donc voilà pour le bilan d'aujourd'hui. Donc, les queues de bœuf de chez Cagny Gourmand, le petit caillou de Laurent Merlin dans mon calendrier de petites pierres. On a Cosma Lily's Kitchen et le Pingu de chez Kinder. Et pour les cartes aujourd'hui, donc on a encore Venom. D'ailleurs, le jour, on a regardé Venom 2 qui est très bien. Bon, ça me perturbe toujours autant qu'ils aient fait un Venom différent du Venom qu'on voit dans les Spider-Man avec Tobey Maguire. Mais faut oublier ce côté-là. Et sinon, les nouveaux Venom sont sympas, mais il faut totalement faire abstraction de la première version. On a Venom, donc que je connais. Dedans, il y a Carnage aussi, que je ne connaissais pas. Mais maintenant, bah voilà. Maintenant que j'ai vu Venom, bah, je sais qui c'est. Donc j'en ai deux Carnage. Et le dernier, on a Spider-Man. Donc voilà, pour l'instant j'ai eu aucun contact pour les cartes, donc n'hésitez pas, je les garderai pendant un petit moment. Donc voilà, l'ouverture des calendriers de l'Avent a été faite. Donc là, je vais habiller le loulou, quoique. Je vais regarder le temps qu'il fait. Je vais les sortir, aller préparer à manger. Puis là, bah, on se retrouvera après que j'ai mangé, etc. Donc soirée télé avec le chéri. Tranquillement, détente. Voilà, je vais jouer sur la tablette, etc. Je vais regarder pour les prochaines collections que je vais faire rentrer sur la boutique le mois prochain. Et des trucs comme ça, en fonction des ventes qui ont été faites, du style que je voudrais mettre un peu sur la boutique. Et je réinvestis pas mal parce que quand on passe des commandes, je réinvestis dans les futurs produits. Et puis voilà, ça ira bien comme ça. Donc je dis à tout à l'heure. Avec la lumière, c'est mieux parce que j'ai encore vous faire le coup de faire ça dans la pénombre. Donc il est 1h30 et les loups vont manger. Et ce soir, c'est œuf. Donc Kitty, par contre, elle a un œuf dur. Kitty, tu vas où? Kitty! Parce qu'elle va chercher à faire des conneries, je sais pas où. Bref. Donc il est 4h15 et je vais sortir les chiens et aller me coucher. J'espère que ce vlog vous aura plu. Là, moi j'ai fini de monter deux vlogs, donc il y a un peu d'avance à ce niveau-là, ça va être cool. Ça demande de pouvoir faire du tournage à la place du montage. En tout cas voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à souscrire à un abonnement. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos. Bisous.